Donc en clair, il reste quoi? Il reste l'avis conforme du CSM pour nommer les magistrats. Donc avis conforme du CSM avec le ministre. Il ne reste plus que ça. Et les trois avancées auxquelles je faisais référence tout à l'heure, la parité, la modification du niveau de désignation et la composition paritaire du CSM ont disparu du texte. Donc c'est vraiment une réforme à minima, dont on s'abstiendra tout simplement.